Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu que je découvre, peut-être en même temps que vous, qui s'appelle World of Warship, le monde des bateaux de guerre. On commence avec trois machins. Alors, qui ont chacun une capacité de survie, de l'artillerie. Déjà, capacité de survie et artillerie, ils ont tous pareil. Des défenses. Ah, ça doit être anti-aérienne. Donc on a 5, 1 et 8. Et une maniabilité. Donc on va. Et une dissimulation. Je suis partant pour prendre une grande maniabilité. Donc on va prendre le vaisseau allemand. Hop. Dissimulation. Il est un peu moins beau que les autres, mais bon, c'est logique. Il est en état de service. Je vais vraiment découvrir en même temps que vous, hein. J'ai même pas fait de partie test. Le bateau est joli. Il y a des canots de sauvetage, c'est sympa pour sauver mon équipage au cas où. On va combattre, on va essayer une première partie. J'espère que je vais me retrouver contre des alliés. Ah, donc il y a des porte-avions, cuirassés, croiseurs et destroyers. Et moi j'ai un croiseur. Ça va être les logiques. Cuirassé, il doit avoir beaucoup de défense. Destroyer, beaucoup de dégâts. Et porte-avions, bah, ils font les attaques aériennes. J'ai 8 en anti-aérien. Je sais pas tout ce que ça vaut. Alors, bataille standard sur les îles. Équipe de contrôle des avaries. Le consommable peut être activé en appuyant sur R. Il répare les éléments endommagés. D'accord. Il y a moyen de revoir le premier ou pas? Contrôle sur le navire. D'accord. ZQSD. Mouvement du navire. Les navires répondent lentement aux ordres d'accélération et d'arrêt. Prévoyez vos actions à l'avance. Ouais. Visez avec les canons. Il faut du temps pour faire tourner les canons. D'accord. Si je déplace ma souris trop vite, il me suivra pas. D'ailleurs, j'ai plus ma souris. Ah, c'est pour ça. Ah ouais, donc là je déplace ma souris et les canons ils suivent. Plus ou moins. J'ai deux canons. Est-ce que les deux suivent si je me mets comme ça? Ouais. Comment on accélère en fait? Hein? Ah, c'est pas la bonne touche. Paramètres. Contrôle. Accélérer. Voilà. Il reconnaît mon clavier, mais c'est tout. Voilà. Donc, si j'accélère avec Z, ça marchera mieux. Y a un point à capturer là-bas. Ah non, il y a un point à défendre, je pense. Forces ennemies détectées. Ah. Ah ouais, mais ils sont genre tellement loin. C'est possible de leur tirer dessus? Qu'est-ce qu'ils font mes canons? Ah, mais c'est mon bateau qui tourne. Ah oui, il tourne à fond le bateau quand il tourne. Je sais pas du tout si j'ai une chance de les toucher. Sinon il y en a un là, on va peut-être essayer de l'avoir lui. Donc là je vais bientôt sortir de ma zone de contrôle. C'est que des destroyers, je pense qu'ils commencent comme moi. Alors mage pourrait passer. Ouais, j'ai touché personne pour l'instant. On a été repéré. Ah, il file trop vite. Ah, c'est vraiment dur. Ah, j'en ai touché un. On va se faire couler comme ça, je pense, mais. Non, hop.
Ah, j'ai un allié qui se fait descendre. On l'a touché. On va le couler, lui. Je me tire peut-être encore un peu trop haut. Hop, le voilà coulé. Il y en a un là. Touché. Ça va, c'est pas trop dur. Un peu manqué. Ah, j'ai tiré trop haut là. Ah. Je vais tirer dessus par lui, je pense. Donc je tourne là. On va faire marche arrière, ça marche aussi. Ah, si on les coule, on prend l'avantage, non? Là, je vais au même rythme que lui. Ah, c'est moi qui l'ai détruit. Donc là, il y a moyen que je réavance? Ah oui, c'est vraiment très très loin à réagir les contrôles. Ah, je dois pas avoir la portée là-bas. Ah. Quand on est empêtré, hein. Allez, marche avant et à droite. Ils sont avec nous, les roses, on est d'accord. Ah, il me dit que je peux le cibler, paraît-il. Je sais pas si je tire assez en avant, on va voir. Non, ça tombe beaucoup trop loin derrière lui. Peut-être que là c'est mieux. On a plus de points de capture de loin, donc ça devrait le faire. Je pense que je dois tirer sur leur niveau en fait. Pour que ça atterrisse sur lui. Et je dois prendre encore de l'avance. Ah, il y a le deuxième canon qui va pouvoir tirer. Ah, c'était mes tirs là. Ou pas. Il y a tellement de gens qui lui tirent dessus. On a eu le dernier. Wouhou. Ah, j'ai fait 30 coups à la cible. C'est déjà ça. On a gagné du coup. J'ai gagné plein de pièces. On retourne au port. On va réutiliser le même bateau, je pense. On va essayer de pas se cogner au bord parce qu'après c'est galère. Je suis monté à niveau 2 du coup. Arbre technologique. D'accord. Fait d'armes résumé. Port c'est là. On peut acheter un navire. Est-ce que j'ai beaucoup de sous ou pas? Bah, j'ai 0 doublon. Ah, je peux juste acheter un comme ça. C'est le suivant? Pourquoi pas? J'ai acheté une amélioration là ou j'ai acheté un navire? Ah, d'accord. Là, si je voulais acheter un navire plus puissant, il me faudrait beaucoup de sous. Alors, est-ce que... J'ai deux possibilités. Soit j'augmente ma maniabilité et dissimulation à fond. Capacité de survie et artillerie. C'est un sacré dilemme. Et niveau éléments, j'ai des trucs aussi. Combattez contre des bots en coopération avec d'autres joueurs. Hein. Pour l'instant, c'est des bots. Je peux acheter des nouveaux trucs? Je sais pas vraiment s'ils valent la peine. On peut passer direct au. Bon, il coûte beaucoup plus cher, peut-être pour ça aussi.
On va prendre celui-là. J'ai pas pigé. Ça, mais oui. Je peux pas ou quoi? Je peux peut-être pas encore acheter de navire. Ou alors, j'ai celui-là ou pas? Là, j'ai le Hermelin. Faut quoi pour passer au navire de rang 2? Pourquoi je peux pas acheter une navire? Je comprends pas. Je pense qu'il faut que je fasse plus de combats avant. Bon, pourtant j'ai des sous, c'est dommage. Au moins je vais tomber sur des joueurs qui commenceront le jeu aussi. Je pense que si je monte mon navire, je tombe contre des joueurs plus puissants, contre des navires de même niveau. Ça paraît très logique. Je sais pas pourquoi de temps en temps il me demande 29, 26, 35. Ah, c'est parce que je pense que comme il y a un temps maximum d'attente, au bout d'un certain moment il lance la partie quand même. Et donc il réduit le nombre de places disponibles. Ah, il y a des vitesses! Là, j'ai bougé ou? Ah, non, il y a 20 secondes avant la bataille. Donc, on va commencer en fonçant. Ah, je viens de comprendre ce que c'était, ces trucs-là. Est-ce qu'on peut parler? Oui. Ah, c'est parti. Ah, donc ça sert à rien que j'appuie sur Z en fait. Les commandes elles sont déjà faites. Ah, et ça c'est pareil. Donc si je veux bouger lentement, je fais comme ça. Et là je bouge à zéro. J'ai pas changé de navire. Je me disais, mais est-ce que j'ai pris le discret ou est-ce que j'ai pris celui qui tapait fort? En fait, tu n'as pris aucun des deux donc. Ne t'en soucie pas. Quelqu'un m'explique pourquoi je peux pas tourner? Ah, ça se fait lentement. D'accord. Ah, pourquoi il retombe? Il devrait pas se loquer sur Max? Regardez là, il se lock sur Max, je comprends pas. Pourtant, c'est les touches droite et gauche. Classique. Oh! Alors là, je le touche pas pour l'instant. Je tire sur l'avant du bateau. Touché. Oh! Ah, impossible à manœuvrer. Faut que je fasse R. Ah, je peux à nouveau manœuvrer du coup. Problème résolu, chef. Problème résolu. J'ai peur de pas pouvoir tourner, donc on va changer de cible. Attendez, j'ai tiré sur la montagne là. Oh. Il y en a un qui est en train de surfer sur l'autre, je crois. Du coup, il peut pas trop bouger.
On va le couler, on en profiter. Pas perdu beaucoup de vie. Hop. Croiseur ennemi détruit. Il y en a un là-bas. Je crois que quand ça s'affiche en blanc, c'est moi qui le touche. Ah, pas du tout. Notre équipe commence à capturer la base. Bien. Il y a un joueur qui s'est coincé, j'ai l'impression. Donc si on est joueur contre IA, ça devrait aller. Oh! Ah, on a un temps avant de recharger, très bien. Hop, toi t'es mort. Je regarde pas du tout où je vais. Ah, trop loin. Touché, très bien. Allez, on va tourner au maximum là. On va essayer de continuer au même niveau. Hop. La victoire est à notre portée. Wow, j'ai pu tourner. Alors je pense que lui m'a repéré. Je vois même pas si je lui tire dessus. Touché. En rechargement. C'est le dernier. Et je suis le plus apte à pouvoir le toucher. Comment il peut tirer plus haut mon canon? C'est là. Pas grave, on va l'avoir quand même. Oui. Avant de mourir. Elle a toujours un petit coup de lag à la fin. J'ai provoqué un incendie, j'en ai détruit 3, j'en ai détecté 3 et j'ai neutralisé des éléments des navires ennemis. Très bien, très bien. Bienvenue à bord. Connectez-vous au jeu tous les jours pour obtenir des récompenses. Bah, je récupère, merci. Demain, très bien. Ce sera demain alors. Il y a toujours pas moyen que. Dresden 2. Rechercher. Ah! Ah oui, c'était l'écran là. Moi je fais pas attention. Et donc le Dresden 2, il a capacité de survie, une artillerie importante. J'ai fait un succès du coup. Concepteur naval junior. Ah lui, il faut beaucoup beaucoup de points de. Je sais pas combien d'étoiles j'ai. Je sais pas où s'affichent les étoiles. Requis. Ah, j'ai pas ce qu'il faut en tout cas. Et l'autre. Ah bah j'ai pas non plus. Tant pis, on va essayer avec le Dresden 2 du coup. Celui-là, il est cassé ou je sais pas quoi. Non. Port. État de service. Ah, je croyais qu'il fallait réparer les bateaux, mais en fait pas du tout. C'est complètement autre chose, état de service. Hop, on est parti. Nouvelle partie avec un nouveau navire. C'est un croiseur encore.
Ah, il y en a un qui a déjà un autre navire. Et puis tout au bout là-bas et tout là aussi, il y a des navires différents. Non, j'ai tellement de canons. Mon Dieu, vous avez vu tous ces canons sur mon bateau? Par contre, j'ai l'impression qu'ils sont très lents à venir. Je sais pas si avec ceux de devant, je peux me les mouiller. Bah, ils sont censés tous pouvoir tirer. Ouais, j'ai deux. Ceux que j'ai pas, c'est les impairs. Côté droit, c'est les pairs. Ah là, j'ai plus le 10, d'accord. Donc l'idéal, ce serait d'arriver sur des bateaux comme ça. Et il y en a un qui est de l'autre côté. Ah, je peux faire la même chose de l'autre côté, en fait. Hop, va plutôt en 1. Oh, il y a des avions. Attendez, quoi? Il y en a un qui est très proche là, c'est lui. Oh, ça fuse. Ah bah du coup, ils ont tous des trucs comme moi, évidemment. Ah, c'est trop. Touché. Ah, du coup, je suis la cible de plein de tirs. Torpille à bâbord. Torpille, comment je fais pour éviter des torpilles 2? Torpille à bâbord. Je sais pas ce que c'est 1 et 2. Il y a une zone là qu'il faut qu'on contrôle, j'ai l'impression. On peut faire ça, oh, toucher. Pas mal. Non, là sinon. Mais bien caché. Il y a moyen de sortir au-dessus. Sinon, il y en a un là-bas. Non, faut avancer par là plutôt. Dans la zone pour l'instant, il y en a un qui est là bien endommagé. Ah ouais, mais il file. Il est mort. Probablement pas grâce à moi, mais c'est pas grave. C'est pas juste. Faut que je coule. Comment ça fait que j'atteigne pas comme ça? Si c'est bon, je le touche. En fait, c'est des petits canons par contre. Quel canon tire? Je sais pas trop. Ah, faut pas que je sorte de la zone. Problème résolu, chef. Faut pas que je sorte de la zone. Allez, recule. On recule lentement par contre. Allez, venez avec moi les canons. Ça doit être bon là. Ouais, sauf si je tape dans la montagne, forcément. Oh, c'est un méchant ça. Ah mais je suis sorti de la zone. La victoire est à notre portée. À condition que je tourne pas dans le bon sens. Hein. Il est trop proche.
tournes pas du bon côté. Bon, on va tourner toujours du même côté, ça suffira. On peut lui tirer dessus ou pas? Ah, c'est bien là. Hop. Faudrait que je reste dans la zone en fait. Il nous manque plus que la zone C en plus. Donc si je m'arrête dans la zone C, on gagne. Je peux pas tirer jusque là-bas, on est d'accord. Je recule. Pour aller par là du coup. Ouais, on va passer en stop.